sloppy PC enforcement work there, kid. You didn't punish one fucking microaggression. Come back to the brew pub. We gotta get to the bottom of this. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de South Park, l'anal du destin. Donc, je suis toujours l'enfant qui a vu ses parents coucher ensemble trois fois de suite, avec du coup trois classes qui me sont attribuées. Nous avons moult quêtes encore à faire, LB, voilà. On peut se rendre par exemple avec une mission de niveau 235 quand même. Quand même. Alors, il faudrait qu'on trouve aussi la plupart des chats qu'on n'a pas. Et aussi qu'on trouve un moyen de passer à travers la lave. Ce serait extrêmement bénéfique. Du coup, il faut quand même qu'on aille, voilà, voir... principal... C'est pas le PC, c'est ça, hein. Alors, je sais plus si c'est PC ou... Oh, je sais plus. Bref, on va aller le voir. Ouais, je sais. Je suis un vrai dieu. Pouf. Voilà, ça t'apprendra. À ouvrir ta grande bouche. Alors, est-ce qu'on a fait toute la zone, là? Parce que c'est vrai que ça me... turlupine. Okay. Si c'était déjà fait, je ne vais pas le refaire. Mais bon, voilà, sur le principe. Ça permet de checker un petit peu. Apparemment, je suis déjà passé par là. Pas de raison d'y retourner. On y retourne. Tellement de David Hasselhoff, tellement de sexiness. Je sais plus si on a tout fait véritablement dans cette zone en fait. C'est ça qui est chiant, c'est. Madame. Another one? I guess so. Pas de soucis. Non, mais si, hein. Très bien. Oh. Alors, je sais combien. Il y a toujours, voilà, ces vannes. Alors, ces vannes, je sais pas du tout à quoi elles vont me servir. Ça m'emmerde un peu. Voilà, il y a ces vannes sont plus ou moins multipliées partout dans la ville. Du coup, je ne sais pas trop à quoi elles servent, mais ça doit être pratique. Gosh, darn it, I don't think that vigilante is setting a good example for the young folks. Street de prédateur. Voilà, je savais bien qu'on avait récupéré quelque chose. Une clé de quelque chose. Tu prends pas de photo, ok, pas de soucis. Je saurais m'en souvenir. Ah, tais-toi! Je fais ce que je veux de mes journées, merde! Ici, est-ce qu'on a quelque chose à faire? Ah oui, toi. Non? Je te lâche un P. La mort qui tue, ça ne... Non, d'accord, ok. Ok, pas de soucis, non mais je pensais que si je pouvais remonter le temps, ça pourrait t'intéresser en termes de capacité, mais apparemment non, donc c'est cool. Vendeur. Objet de mission. J'ai déjà fait. Forcément. J'ai déjà donné une capote au grand-père Asta, normalement, de mémoire. South Park could use some more female heroes. Bon. Allons-y sérieusement. Allons voir notre ami... merde, j'espère... Merde. J'ai oublié où il était. Ah, juste là, parfait. Parfait, on a du bol. Hop. On est bon. Là, on a tout eu... On avait pris le portefeuille finalement, c'est ce que je voulais checker aussi, parce qu'il me semble qu'on l'avait oublié plusieurs fois. Cool! Insulaire du Pacifique, bah blanc. D'ethnie. Ah, c'est cool. Américaine, arménienne, non. Arabe, non. Albanaise, non plus. Bulgare, non. Chinois, non. Danois, non. Estonienne, non. Irlandaise, italienne, japonaise. Punjabi, non. Ou alors, il y a un truc que j'ai pas compris. Non, je peux pas.
Bah écoute, je vais être américaine. Race and ethnicity are very different things. Nice. It's your Manny Splendor journey. Non. Let's determine exactly what you are. Amérindienne, non. Asiatique, non. Blanche, peut-être. Hispanique, non. Insulaire du Pacifique, je capte pas ce que c'est. Hispanique, mettons hispanique. Not really a race, but due to the hardship the US census has caused the Hispanic people, I will allow. D'accord, donc il y a exactement les mêmes choses. Scott, race and ethnicity are very different things. Nice. Donc je ne peux pas être européen. Enfin entre guillemets Europe de l'Ouest quoi. Je... Bon bah blanc. Et du coup on va mettre américaine. Ce qui me semble logique vis-à-vis de mon personnage finalement. Voilà. See, that wasn't hard, was it? Now that you know how to define yourself, you can go back to making people pay for not identifying you and others correctly. I'm glad I know a little more about. Donc j'augmente le nombre de possibilités d'un arrêt d'un combat quoi, c'est ça en fait. OK, cool. Absolument génial. J'adore ce jeu. Hop. OK, bon ça c'est fait alors du coup. Attention all Coon friends. We have the information we need and are ready for our next mission. Everyone report to the Coon lair immediately. Oh. D'accord. Carte. Carte, man. Oh, je la referai pas. On va aller voir chez Jimbo. Il y a un TP. Crac. PC principal, c'est pas ça, principal PC. Oh, t'es woke. Est-ce qu'il va prendre une photo avec moi? Attendez, il y a un... Est-ce que je peux... Attends, voir. Non. Barbara dit, il en a déjà fait une avec moi. Bon bah tant pis, on sort. Hein. On va se téléporter en mission, c'est pas grave. On débloquera plus de pouvoir, etc, etc. Donc c'est pas... Fast. J'adore comment il en chie. Ah, voilà, parfait. De toute façon, c'est la combat de tous les deux, tu sais, hein, normalement. Hein. D'ailleurs... Ne devons-nous pas changer... Quelque chose. Au niveau des pouvoirs. Voilà, il y a ça aussi. Speedster, donc la furie hyperspatiale. L'annihilateur aéroporté. Drone domestique grenier équipé de missiles balistiques de pointe implacable pouvant éliminer plusieurs ennemis à la fois. Ça pourrait être sympa. Comme ça, on a vraiment un petit peu de tout, quoi. Si je puis dire. Ah la vache. Ah, je choisis. D'accord, ok. C'est peut-être pas aussi performant que la suite. On va bien voir. On verra bien. Ok, là on est bon. Aussi, au niveau de la carte. Voilà. Non, ça c'est pas les bonnes choses. Ouais, donc ça j'ai pas le niveau. Donc y a rien en rapport avec le fait que je puisse choisir une des deux factions. Ce qui en soi est assez important à dire. Pourquoi c'est plus fuck you mom? Trouve ça crippant vite. Get. Scrambles. Fast. Je sais pas. Cool. There you are. Jesus, took you long enough. Have a seat, Butt Lord. All right, everyone. Butt Lord interrogated Classy and found out our next lead is at the U Store here in town. We need to infiltrate it tonight. It can't be done. Why not, Mosquito? Because the entrance is all lava. The whole thing is fucking lava. Shit! There has to be a way to get past it. There is. Tool shed. Tool shed. What's that donkey fucker have to do with anything? Toolshed has a device that clears lava, remember? It's one of his superpowers. Hey, and Toolshed said that he owes the new kid a favor. Looks like you're gonna come in handy again, Butt Lord. Super Craig, write an anonymous email to Toolshed. Tell him the new kid is ready to have his favor returned. Everyone else, go home and get in bed. We meet at the U Store tonight. Too bad, everybody! Coon friends are on the case. Go on home, Butt Lord. If all goes according to plan, Toolshed will meet up with you later. Just be careful. Toolshed is a two-faced backstabbing butt-stabber. Retirez le costume, oui. Il est temps. Ah, voilà. Je suis devenu un humain normal. Je suis devenu quelque chose d'autre. Ok. Moi, je vous emmerde et je rentre à ma maison. Merde, maison. Hop là. J'aime bien parce que là, il est... Ils sont habillés correctement, vous voyez ce que je veux dire?
Hop. C'est parti. Qu'est-ce qui va se passer encore? D'accord, ils sont en haut en train de se gueuler dessus. Pidim. Oh, c'est la tristesse. Quand je vois ça, je trouve ça hyper méga triste. Why would you tell the school principal what race we are? I didn't tell him, our child did. But you confirmed it when the principal called you. How long before they find out everything? Our little boy is hurting, don't you get it? He's asking questions about his race and sexual orientation because he's confused. Confusion was the point. The more our child learns about the truth, the more dangerous it becomes, you stupid whore. Hey, look who's here. Been out playing, little squirt? Your dinner is on the table, pumpkin, then straight to bed. You have school tomorrow. School tomorrow. Trois. Don't even think of whatever's in these things are making you crazy. Crazy? Like telling the world what the child is that we took so long to hide. Oh, are you not gonna drink? God, what is wrong with you? Il va y avoir un meurtre ce soir, je pense. Honnêtement, je pense que ça va très très mal finir cette histoire. Ah oui, on a des trucs dans le coffre. Les francs gémeaux, effectivement. Waouh, et plein d'autres trucs. Tenue d'hypersonique. Cool. Hyper méga stylé. Fiche de perso de Quickie. Scarlet Chignon noué, d'accord. Pompeux gominé, why not. Ébouriffé, pourquoi pas. Cool. Bon bah du coup, il est l'heure. Ou alors il est l'heure de changer de costume, justement. Je sais que je fais ça tout le temps, je suis désolé. Mais ouais, c'est important de changer de costume. Là, il va se passer quelque chose d'épique, du coup, je pense que changer de costume n'est pas une si mauvaise idée. Et du coup, on est des... Alors, on peut mettre un petit peu de... Ouais... Ok... Voilà... Why not? Ensuite, en termes de costume... Non, pas ça. Pas ça non plus. Là, il y a une manette. Un truc stylé, quoi. On va mettre ça. On va changer les couleurs. On va essayer de garder toujours l'aspect... Hop, voilà. La suite, j'imagine que c'est la couleur des éclairs. Non, même pas, c'est le truc au milieu. Why not? Why not? Au niveau des mains. Mains luminescentes. Je vois pas ce que c'est véritablement que ces trucs. Mais pourquoi pas. Là, il nous faut un truc badass. Un truc badass. Ça c'est pas complètement moche hein. Ça c'est quoi? D'accord, c'est des boîtes de. C'est pas méga stylé quoi. Electropunk. Je peux changer la couleur. Parfait. On va les mettre en. En rouge, on voit plus rien. En jaune, on risque de les perdre entièrement. En noir, disons. Ça fait peut-être pas le bon noir. Voilà, ça c'est peut-être mieux. Au niveau des lunettes. Rien n'apparaît, donc ce n'est pas grave. Au niveau de mes cheveux, je vais pas changer ma coupe. Peut-être la seule chose qui va pas, c'est le casque finalement. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ouais, on va se taper la honte aussi, c'est naze.
Faut que ça montre qu'on soit aussi changer de couleur, c'est la couleur du quoi? Ouais, pourquoi pas. Ouais, non, c'est pas beau. Plutôt ça du coup. Voilà. Et changement, voilà, hop. Voilà. Faisons ça comme ça, même si la première couleur n'est pas, selon moi, la bonne. Voilà. Du coup, on va peut-être changer le manteau. Excusez-moi, hein, je suis un petit peu... Ouais. Histoire qu'on soit badass quand même un minimum. Voilà, et ça c'est la couleur de... D'accord, ok, cool. Respectons un petit peu les couleurs de base. Voilà. Et c'est pas trop trop mal. C'est pas trop trop mal. Alors au niveau du maquillage, peut-être qu'on a quelque chose qui va sur la... Au niveau de la bouche peut-être. Ouais, c'est pas épique de la mort qui tue. Ok, tant pis. Hop, on est pas trop mal. On est pas trop mal. Au dodo. Au dodo, chers amis, on y va. Hey kiddo, listen, I know we never talked about it, but your mother and I are very proud Americans. Night night, punk. Ok. Pourquoi pas? Night falls upon the town like a fat, slimy turd. The stink of greed, corruption, and crime rises from the gutters and fills the streets. Only one thing can deal with fat. C'est génial. J'adore. Hashtag fuck freedom. C'est parti, on y va, nouveau costume. Ha ha! C'est l'heure d'être violent. Pas si mal finalement, hein. Pas si mal. Bon, il y a un petit peu des boîtes d'œufs partout, mais c'est pas si mal. Ok, il s'est passé des choses. Ça va réparer la lampe? Même pas? Non. Oh. J'ai trouvé l'autre clé, voilà. Hein? Oula. J'ai trouvé la clé en or, il me faut d'autres clés. D'accord, ok, pas de soucis. They're gonna... Well, not on my watch, damn it. Ok. Déverrouille la porte d'entrée, mais il faut que je... Non, non, je peux passer, je suis trop con, moi. Hop, les. On est bon. C'est parti. Salut, boîte à outils. We meet again, new kid. Il est tellement stylé. C'est le seul qui a des vrais trucs en plus. Enfin, un des rares qui a des vrais trucs. Des vrais objets, des vrais gadgets. Ah oui! Ustoritz, c'est le. Bah oui, c'est l'endroit de. C'est la base du professeur Chaos. Wow. C'est pas complètement faux, mais c'est plus l'alcool. Randy, get in here right now and stop keying my car. Okay. This is different. My father's acting even stupider than ever before. Perhaps Toolshed wants to help his father because he feels he could have saved him all those years ago. What is your backstory? Did something happen with your parents too?
effectivement. Ils ont... That's okay if you don't want to talk about it. It must be very painful. Oui, tu n'as pas idée. Mais c'est pas ici pourtant. Oh. Oh, tu vas m'ouvrir la lave. Oh oui. Faut que je te parle. This is the home of Mysterion. Il va séparer la lave en deux. Ah non, en fait, il va juste ouvrir un autre endroit. On arrive chez Mysterion. In this area, you might notice the intense urine smell. Did you know human urine works as a fertilizer for marijuana cultivation? Smells like somebody cultivated on that couch. Je t'ai vu. Fusible haute résistance, artefact, cool. Oh là, je pense qu'il faut que je paye attention un petit peu à ce qu'il y a autour. Non, je voudrais le prendre. Si ça ne te dérange pas. Je ne peux pas ? Ok. Ah, je vois, il faut que je le fasse fondre. Faut que je le fasse fondre avec le système électrique qu'il y a au-dessus. Alors, est-ce qu'on peut peut-être faire quelque chose avec ça? Ami pas encore débloqué. Cool! C'est stylé. On y va! Attends. Ah merde. Oh. Cool! Joyeuse retrouvaille. Glomp. C'est débile. What? J'ai 40$ en poche? Cool. Ah non, il m'a donné 40$! On s'en parle plus tard, n'utilise pas tout au même endroit. What? Il m'a donné 40$! Bon, la suite. I love you so much. Oh, j'avais complètement zappé cette histoire. Fiche de personnage de Mysterion. Trop stylé! Oui, j'ai bien compris, t'inquiète pas, hein, j'ai bien vu que tu t'étais arrêté devant, etc, etc. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à choper là-dedans? Oh, le costume! Hop, c'est parti. Oh, il a une vraie Batcave. Oh là là. Enfin, un vrai portail de Batcave. Ok. C'est jaune, je peux donc le déplacer. Oh, c'est génial. C'est absolument génial. Et je pète cette porte-là. La balafre. Nouveau truc de costume, donc c'est pas plus mal. D'accord. C'est pété. C'est complètement pété. Mais t'as pas l'impression de trahir ton meilleur ami là, enfin un de tes amis? Les SDF. Oui. Hop là, c'est parti. Drill through these guys was supposed to be like a tool thing. I guess it was kind of a stretch. There's just only so many tool-based one-liners in the world, you know? We're gonna turn the screws on these guys. How's that? Hop-lay! Bouf! I'll workshop it later. Allez, viens, je t'attends. Gentrify us out of here. Oh, ça passe! Il est pas facile à utiliser ce personnage-là. Roi de la gâchette! C'est stylé! C'était méga stylé, surtout. Et vous savez quoi, j'ai cru qu'il allait... C'est méchant si je dis, j'ai cru qu'il allait se soigner en fouillant dans la... Ça doit être méchant. Effectivement. Hop là. Tu vas brûler! Ah non, tu vas... Oui, pardon, je suis trop con. Tu vas surtout te faire électrocuter. Je suis l'empereur, aucune limite à mon pouvoir! Bref.
Hors de portée. Ok. Jouons là de manière sérieuse. Ok, c'était un peu dégueulasse ce qu'il a dit le bonhomme, hein, par contre, hein, faut être honnête. J'aurais peut-être dû faire une double attaque. C'est stylé! Oh, on va utiliser le pouvoir de l'empereur deux fois de suite. Ça va être trop stylé. Pouvoir! Aucune limite à mon pouvoir! Bah voilà. Voilà ce qu'on fait à des SDF à South Park. N'allez pas à South Park si vous avez des problèmes de domicile, on va dire. Siphon de bon sens. Agression primitive en termes d'ADN, c'est pas mal. Peut-être qu'il faudrait que je revoie aussi les différentes pièces d'ADN que j'ai, qui sont peut-être plus performantes pour certaines choses, on va dire. Hop, ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, d'accord. J'ai cru voir autre... Ouais, prendre. De l'argent, ok, why not. T'es en train de me dire qu'ils ont laissé... Ils ont laissé des thunes partout. Il y a des thunes partout au sol, regardez. Il y a des thunes plus ou moins pas... Non, attendez. Voilà. Il y a vraiment moyen de monter aussi, mais ça va sans doute être avec... un de nos autres amis. Mais pourquoi ils ont laissé des thunes partout, en fait? Oh, je croyais que je pouvais monter dessus, vous voyez. Oups, j'ai pas eu le temps de la voir, désolé. De toute façon, je pense qu'il y a moyen de tous les voir ensuite. Hein. Ne vous inquiétez pas. Mais je capte pas la raison pour laquelle ils ont laissé autant de thunes un peu partout. Mais why not, hein, ça me dérange pas, hein, 25 centimes par 25 centimes. Vu le nombre que j'en ai ramassé, bon voilà, 1 centime, c'est beaucoup moins intéressant. South Park Train Station. Ça me plaît pas de cet endroit. Je ne m'en rappelais pas de cet endroit, il y a du pissin un peu partout. Des mecs qui tirent avec des flingues, c'est pas rassurant. Et on est arrivé au New Story, cool. Cool, 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 cool. Ouh! Coon friends assemble! Well, well, the butt-fucking traitor actually showed up. Hey, whoa, nuh-uh. I said I'd help the new kid, not you losers. Yeah, well, the new kid is a coon friend, and coon friends work together, douche. Come on, we need to get inside this fence. Yeah, toolshed, that's what the new kid wants. Fine. As long as there's a power generator nearby, I can use my dad's sandblaster to clear almost any obstacle. Wow, that is fantastic. That's got it. Coon and friends, let's go. Let's get one thing straight, Shed. Oh non. I don't trust you. You make one move out of line and I'll shred you. Fais un peu de travers, tellement bien. Badass. After tonight, we're sworn enemies again. All right, Classy said the cats all go to one of these storage facilities. Everyone fan out. Here, kitty. Here, kitty, kitty, kitty. Here, kitty, kitty, kitty. Meow, meow. Meow, meow. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, sur cette petite cinématique sympathique, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Salut les gens.